EA Sports. It's in the game. Bonjour à tous et bienvenue, c'est un nouveau rendez-vous de football que je vais avoir le plaisir de vous commenter avec Franck Sauzet qui va me rejoindre. Bonjour Hervé. Pour ce match, nous allons suivre l'opposition entre le FC Lorient et le Real Betis. Avec pour arbitre Monsieur Eimo Wasserschneider. Sa montre, c'est parti pour ses 45 premières minutes. Marcelo Toa, Rafael Guerrero. Attention, pas commettre de faute. Oh, bien vu le saut, il a eu raison là pour éviter le tacle. Ah, ce ballon commençait à trop traîner, il fallait intervenir. Ils vont plus jamais le revoir, là ils sont aux abois les défenseurs. Ciao.
Damien Perkis. Les 30 derniers mètres. Le pressing du défenseur. Contre ce ballon, Kevin Monet-Paquet. C'est un beau Kevin Monet-Paquet. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ne donnera rien. Excellente intervention défensive. Et ça donne vraiment une très belle image. Eben. Le ballon qui va changer de possession. Et Quelle Manga. Joufre. Baka. Yann Joufre. Todor. Excellente interception. Bien joué. Eben. Ouais, c'est propre ça. Slayla Otoa. Joufre. Slayla Otoa. S'avance vers la surface. Et dans la surface, il a trouvé son partenaire avec ce centre. Corner, attention, attention à ses coups de pied arrêtés. C'est sans danger pour la défense, hein, le corner. Ils sont à la lutte. Oui, il passe en retrait à destination du gardien. Là, ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match, toujours pas de but, 0-0. C'est une première période bien insignifiante qui se termine. Eh oui, pour une fois, on avait hâte que l'arbitre siffle la fin de ce calvaire. Hein. La pause ne peut faire que du bien.
Franck, après cette première période insipide, est-ce que ça va être mieux après les vestiaires? C'est ce qu'on espère en tout cas. Si les joueurs ont laissé le frein à main au vestiaire, tout est possible. Ouais, coup franc très logiquement accordé par l'arbitre. Raphaël Guerreiro. Kevin Menepaquet. Maliadier. On s'approche du but. Ah oui, le bon centre dans la surface. Allez, on écarte. Loin devant. Il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle. C'est un Boca. Et l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Oh, il y avait un boulevard devant lui. C'était trop beau. S'est levé, il a déclenché ce qu'on appelle le ballon un petit peu tôt. Il joue son va-tout avec ce remplacement. Il était fort sur cette interception, c'est impeccable. Ruben. Qui arrive de ce ballon. Tout à l'heure. Marcel Lotova. Maliadier. Ça s'approche. Ah, bien joué. Bien joué le défenseur. Et tacle à nouveau sans faire faute. Et finalement, il parvient à rester debout. Le prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Nacho. Maliadier. L'arbitre qui a sifflé, coup franc, rien à dire. Je vois que son système ne fonctionne pas, alors il change. En tout cas, c'est tout pour la gagne maintenant, clairement. Attaque intelligente, très réussi, il récupère le ballon. Il perd de ce ballon. La défense qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Décision de monsieur Wasser Schneider après cette faute. L'entraîneur joue son va-tout avec ce changement. Il veut le gagner ce match. Ça va s'arrêter là, beau geste défensif. Vincent Boubacar. Oh, quelle action, le but peut-être. Oh, elle est dangereuse cette fois. Oh, le but. Le but, ils prennent l'avantage au bon moment. Oh, qu'il est important ce but.
ce ballon allait heurter la barre et au dernier moment il est passé juste en dessous. Regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. On entend les supporters qui donnent de la voix dans cette fin de match. Et on sent que ça peut basculer hein, sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. Oui, bien joué le contre, ce n'est pas fini. Ils sont à la lutte. Oui, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a peut-être... Il va peut-être être averti. Ah, je crois qu'il va être averti. Eh oui, carton jaune. On voit cette intervention défensive irrégulière. Et sur le ralenti, on se rend mieux compte de la faute. L'occasion. Perkis, un arrêt très net du gardien, pas de souci. Ça y est, c'est terminé. Nous n'aurons vu qu'un but dans ce match. 1-0 donc.